Come on, Martin. What have I been waiting for? Yes. Good catch? Very good catch. And look at this sponge. Look at this. Oh, very nice. Big sponge. Big. Wow. Really. It's not a hexagon. Hey, it's the first time we get it. Yeah. Okay. On n'a pas beaucoup de quantité, mais on voit que c'est des fonds où les communautés sont dominées par les éponges et les bryozoaires, les gorgones également. Il y a pas mal de gorgones dans ce type de fonds qui servent de support à d'autres organismes comme les ophiures ou les crinoïdes. Voilà. Malheureusement, les belles crinoïdes qu'on voit dans les films sur les fonds, quand elles sont bien épanouies, dans le chalut, elles ont été stressées et elles sont donc toutes... les bras sont repliés ou cassés. Un polychète à écailles. Oui, une loturie ou concombre de mer. Mais évidemment, elle n'est pas très jolie ici. Son panache est tout rétracté. Petits amphipodes, crustacés amphipodes, les petits mollusques gastéropodes, les petites formes d'ophiures, petits amphipodes aux yeux rouges. Très joli.